Oui, un an et demi, c'est ça, oui. Voilà, et maintenant, je vois qu'à chacune de tes sorties, eh bien, tu es de plus en plus performante avec ton homme hein, qui t'entraîne correctement pour arriver à quel objectif cette année? Eh bien, les objectifs, ça sera la saison de cross complète en finissant par les championnats de France au Pontet. Et ensuite, on va se diriger peut-être un peu plus vers le semi-marathon et je vais essayer de découvrir la course en montagne. Voilà, et aujourd'hui, tu t'étais fixé quel temps? Je suis un peu déçue du temps, je comptais faire 37, 37-10 et c'est vrai que je suis partie un peu vite. Et donc après, je l'ai payé sur la suite de la course. Merci à toi, Amandine. Le vainqueur du jour aujourd'hui, il est là, et croyez-moi que quand il est arrivé, eh j'ai vu un homme souriant hein, au fond de la ligne droite. Je voyais qu'il était rayonnant, Christopher Berao, c'est toi aujourd'hui qui t'imposes en solitaire. Ben ouais, c'est une course qui me tenait à cœur depuis 3 ans, donc c'est vrai que je l'avais gagnée avec Gilles. J'étais très content, mais je voulais vraiment la gagner seule et puis surtout montrer que j'étais en forme cette année et qu'on pouvait compter sur moi pour la Coupe d'Europe. Voilà, Christopher Berao, le plus rapide aujourd'hui sur le 10. Artesto! C'est le même podium, effectivement, qu'il y a 2 ans. Il y a 2 ans, c'était Gilles Mans et Christo qui étaient ensemble. Le troisième, c'était. Le troisième, c'était. Non, c'était pas. Bon. Le troisième, c'était le réveil, effectivement. Tu avais oublié de te lever pour prendre le départ du 5 km. Aujourd'hui, tu as pris le départ et tu termines deuxième de la course. Voilà, donc oui, Christo est parti du premier mètre jusqu'au dernier. J'ai essayé de tenir jusqu'au cinquième. Et bon, ben, aujourd'hui, il a les jambes, une vraie gazelle. Et voilà, non, franchement, félicitations, c'est un beau vainqueur. Hein. Il mérite énormément. Voilà, il bosse dur. Derrière, après son boulot, il va travailler. C'est parfois compliqué pour les athlètes voilà, quand on travaille. Après, il faut se motiver pour aller courir, surtout qu'on ben, se retrouve seul. On va essayer de se rejoindre de temps en temps, mais voilà, mais c'est un beau vainqueur, félicitations pour lui, je suis super content. Et voilà, avec Gilles, on a suivi sa méthode de Kenyan parce qu'il nous a mis des taquets de longue. Voilà, donc le Kenyan blanc, il est là et voilà, félicitations. Merci à toi Vincent. Gilles, c'est le troisième, il est vétéran Gilles. Quand je l'ai vu passer au 4e km 600, il était un petit peu à la ramasse. Hein. Je t'ai vu grimaçant, autant tes adversaires étaient faciles, toi tu étais grimaçant, mais je sais que quand Gilles est grimaçant, ça veut rien dire. Ça veut rien dire parce que tu lâches rien, tu vas jusqu'au bout. Ouais, c'est vrai que je me suis accroché, bon, je voulais faire vraiment l'effort de tenir avec eux au maximum, mais je savais que Christo et Vincent étaient très forts. Hein. On voit ce qu'il a fait Christo. Avec Iden, donc c'est lui qui a lancé le 5 km, c'était très très fort quoi. Dommage qu'il a eu un petit écart de parcours, donc il n'a pas pu finir plus vite, mais il aurait fait moins de 15 minutes, super quoi. Donc j'ai tenu avec eux le maximum pour me motiver, pour repartir un peu plus costaud pour l'avenir. Voilà, et tous les trois, bien le 3 cet hiver sur la saison de cross-country, oui. Il y a monsieur Libourel, qui est le représentant de Harmonie Mutuelle, qui vient de nous rejoindre, qui va officier un peu pour soulager Max Roustan qui était fatigué déjà. Monsieur Liborel qui va remettre donc les coupes à nos féminines.